sur ma chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors nous, chez nous, ça a été bof bof. On est 7, on est 5 à avoir eu le Covid. 4 de mes enfants et moi-même. Ça commence à aller mieux. Je suis encore un peu fatiguée. Mes enfants, ils vont bien. Ils n'ont pas eu trop de symptômes. Moi, beaucoup de fatigue, mal de tête. Bref, ça va mieux, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, j'avais même hésité de faire la vidéo aujourd'hui, mais bon, j'ai dit, allez, on se motive un peu, on fait la petite vidéo aujourd'hui du bilan de la 4e semaine et de la clôture du mois de janvier. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on a pu sauver cette semaine, en sachant, ben, heureusement que j'ai pu aller faire des courses samedi, parce qu'on a été testé positif lundi. Voilà, alors, en monnaie, il me reste 10, 20, 30, 40, allez, 50 centimes, ouais, un peu plus de 50 centimes. Ça, je le mets dans un petit porte-monnaie. Je ne sais pas encore ce que je fais de la petite monnaie. Je ne sais pas, je la mets de côté dans un petit porte-monnaie. Je m'en sers pour le pain, pour la pointe, on verra. Voilà, en alimentation sur 150 euros, il me reste 2 euros. Voilà. En d'hiver, j'ai plus rien. C'est parti dans mes défis. Entretien et hygiène, j'avais plus rien. Promotion, il n'y avait plus rien. Santé, toujours 20 euros. Parce que j'avais tout à la maison, paracétamol, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Et on avait tout à la maison. Beauté, il me reste mon bon d'achat de 10 euros, je le laisse. Vêtements, eh ben, il me reste les 40 euros sur les 40 euros que j'avais mis en début de mois. Voilà. Et école, eh ben, il reste les 10 euros, puisqu'il n'a pas été au lycée toute la semaine, comme il a eu le Covid. Du coup, il reste les 10 euros. Et fraises, déjà, mon cochon d'Inde, il n'y avait plus rien. Voilà pour le bilan de la 4e semaine. Du coup, ça nous fait 2, 4, 6, 7, 72 euros. Franchement, super. C'est l'avantage de ne pas sortir. Voilà. Voilà, 72 euros pour la 4e semaine. Alors, ce que je vais faire, on va remplir dans un premier temps mes défis. Hop. Alors, bah, 5 euros, bah, il n'y en a toujours pas. Il y en aura dans mes défis, bien sûr. 4e semaine, on est hop, à 10 euros, ce qui nous fait 40 euros. Ce mois de janvier, on a pu économiser 40 euros dans ce petit défi. Super contente. Hop, ça nous fait 170 euros en billets de 10. Hop. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais prendre les billets de 10, je crois qu'il va m'en falloir pour des défis et je mets 20 euros à la place. Voilà, je préfère garder. De toute façon, j'aurai pas mal de billets de 10 pour le mois prochain. Parce que j'ai vu, j'en ai pas mal dans mes... Voilà, ça c'est fait. J'ai mis 10 euros. Ensuite, j'ai dit sur celui-là... Alors, est-ce que j'avais mis un petit papier, j'avais préparé... Je ne sais plus où je l'ai mis parce que je suis un peu perdue un peu aujourd'hui. J'ai fait la vidéo sans savoir si je la faisais ou pas. Bref, ah si, ils sont là. J'ai juste noté sur une petite feuille où je voulais mettre un peu des sous dans mes défis. Je veux mettre 10 euros dans le défi des sans enveloppe. Voilà. Alors celui-là, on en est à 39 euros, il me semble. Oui, 39 euros. Hop. Ensuite, ben là, il y aura 1 euro qui va aller ici. Je vais les mettre tout de suite. Ça fait 3 euros. Ben, je l'avais déjà noté. Regardez, j'avais commencé un peu à... Hop. 1 euro ici. Ça, c'est le défi des 1, 2, 3. 780 en 52 semaines. Normalement, cette semaine, on est à 20 euros. Hop. 20 euros. Manque de poids, ça monte très vite ceci. J'en suis à 60 euros déjà en un mois. C'est génial. Là, ben, c'est bon, j'avais déjà mis mes anniversaires, j'avais mis 20 euros. Là, 1 euro, ce qui nous fait 4 euros pour le mois de janvier. Après, ben, le mois prochain, ça sera 2 euros par semaine. Voilà. Et, ben, c'est bon, j'ai mis les 20 euros, oui. Ben, voilà, j'ai tout mis. Pour ces défis, si, hop, ça c'est bon. Ensuite, dans le défi 280 euros que j'ai mis ici, parce que j'aimerais bien finir au plus vite. J'avais déjà 20 euros, j'ai mis ce mois. Et là, je vais rajouter 10 euros. Hop.
Voilà, celui-là, j'aimerais bien finir vite pour un peu mettre dans mes épingles pour les monter un peu plus vite. Voilà, pour ça. Du coup, il me reste 20 euros que je mets de côté, qu'on mettra dans les épingles tout à l'heure. Maintenant, on va faire le point sur mes défis. Alors, pour le défi du dessin, j'ai pu faire mes 50 euros. 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour le lancer des 65. 2, 3, 4, 5, 6, 65. Voilà les billets de 5. Hein. Pourquoi j'en ai pas beaucoup quand je fais mes bilans? Parce qu'ils sont tous dans mes défis. Et 40 euros, il me semble, dans Princesse. 40 euros dans Princesse. Et pour ça, c'est bon. Là-bas, ça, c'est bon. Hop. Du coup, pour mes trois défis, j'ai pu économiser 155 euros dans les trois défis. Alors, du coup, on va trier. On va ranger les billets. On va compter combien il y a. Et je vous dirai. Hop. Ça. Du coup, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 175 euros. Voilà, 175 euros que j'ai ici. Hop. Parce que y a les 20 euros que j'ai 155 euros en, comment ça s'appelle, de mes défis. Et le reste, c'est... Et il manque aussi, que j'ai oublié, l'épingle du mois. Et on a 50 euros. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup, on est à 175 euros, si je ne me trompe pas. Non, plus 200. Je vais recalculer, hein, parce que je suis un peu perdue aujourd'hui. 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 200, 10, 20, 25. 225 euros. Voilà. Là, j'ai 225 euros. Je suis super contente. Alors, on va mettre 10, 20, 35 euros dans mon défi des 5 euros. Hop. Allez. Alors, je ne les mets pas ici, hein, parce que ça, là, ici... Enfin, je vais les mettre ici, hein, mais là, dans le montant, j'ai rien mis, parce que c'était dans mes défis. Comme ça, je ne les calcule pas dans mes défis et dans mes épingles, sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est à 180 euros pour le défi des 5 euros. Super. Hop. Voilà. Ensuite, ben ça c'est bon, hein, pour les défis. Maintenant, je vais mettre en épargne mes petits sous-sous qui restent ici. Alors, du coup, hop, je vais vous cadrer comme il faut, voilà. Alors, dans, je vais mettre, j'ai ma petite feuille où je note un peu ce que je veux mettre dans mes épargnes. Alors, en fonds d'urgence, je vais mettre 30 euros. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a un 30? Oui, 30. Voilà. Alors, plus 30, ça fait 380. Plus 380 euros. En santé, j'ai décidé de mettre 20 euros. Hop. Alors, on va faire comme ça. 10, 20. Alors, plus... 20 euros, ce qui nous fait 50 euros en santé. En vacances, j'ai décidé de mettre 20 euros. Voilà, 20 euros en santé. Non, là, c'est vacances. Ah oui, 20 euros en vacances, pardon. Plus 20, ça fait 150 euros pour les vacances. Noël, on a dit 20 euros.
Enfin, je la commence très tôt, mais je préfère parce que j'aimerais bien que avoir un peu plus que l'année dernière. Plus 20, ce qui nous fait 40 euros. Le ramadan, j'ai dit je mets 20 euros. L'Aïd, ça c'est pour l'Aïd. C'est vrai que nous, pendant le ramadan, j'achète un peu plus en nourriture. Au moins, je sais que... Hop. Alors, plus 20. On est à 180 euros. Super. Je crois que c'est au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Alors, on est large. La rentrée, j'ai dit 20 euros. Voilà. Du coup, on doit être à 60. L'école, rentrée, c'est bien ça. 20 euros, du coup. On est à 80. Plus 20. Du coup, 80 euros. Là, je mets rien. Je n'ai pas commencé. Je pense que je vais commencer le mois prochain. On verra. Perso, j'ai dit, je pense que je mets 10 euros. Voilà. Pour une fois, elle est bien restée. Parce que d'habitude, elle se vide très vite, celle-là. Plus 10. Ça fait 60. Récompense. J'ai dit, je ne mettais rien. Alors, véhicule, c'est pas véhicule. C'est le garage que je dois payer tous les 3 mois. J'ai décidé de mettre 20 euros. Il n'y a plus rien, ce que je l'ai payé début janvier. 70 euros pour 3 mois. J'ai le temps, mais je le remplis comme ça. Après, je suis tranquille. Hop. Et 20 euros anniversaire. Ça, on a le temps aussi, parce que mon fils, il est que du 20 août. C'est là, le prochain anniversaire que j'ai, c'est au mois d'août. Et du coup, j'ai quand même le temps. Mais j'en ai quand même plusieurs. Plus 20. Hop. Et du coup, anniversaire, c'est bon. Et il me reste shopping. J'ai dit, je mettais rien. Animaux, 10 euros pour mon cochon d'Inde. Plus 10. Hop. Et on est à 30. Et super, je ne suis pas trompée dans mes calculs. C'est rare. Du coup, j'ai fait le calcul avec ce que j'ai rajouté aujourd'hui. Je suis à 1100 euros d'épargne. Voilà. Pour ça. Eh ben, honnêtement, je suis super contente. Ça monte très vite. Là, on a 1100 euros d'épargne. Dans mes défis, ben, comme je vous ai dit, ça monte très bien aussi. J'en suis en billet 180 euros en billet de 5. J'en suis à 170 euros en billets de 10. Là, on est à 39 euros. 1 et 2 euros, ça monte doucement, mais sûrement 3 euros, c'est pas grave. Là, on a dit 60 euros, 20 euros, 4 euros. Et mon défi sur les 12 mois, 30 euros que j'ai mis en début de mois. Et là, je mettrai 50 euros début février. Voilà. Et j'avais mis 10 euros dans jour férié, il y a eu un jour férié, après là on est tranquille jusqu'au mois d'avril. Voilà. Alors si je fais un total, il était très bon ce mois. Si je fais un total, voilà. Alors mes défis, 155 euros sur les 3 petits défis que je fais tous les mois. Total épargné, j'ai eu 71 euros que j'avais en épargne de mes enveloppes du mois. Total défi à long terme, je suis à 205 euros. J'ai pu mettre épargne début de mois, j'ai épargné 30 euros en début de mois, il me restait que 30 euros, j'avais mis dans Aïd et Shopping, il me semble, ou école, je ne sais plus, il faut que je regarde. Du coup, j'ai fait une économie de 461 euros ce mois. Tout confondu, hein, tout ce que j'ai mis dans mes défis long terme, dans les épargnes que j'ai eues de la fin du mois dans mes enveloppes, dans les petits défis et dans ce que j'ai épargné en début du mois. Voilà, je suis à 461 euros. C'est super. Franchement, c'est un bon début. J'espère que ça va tous ressembler comme ça. Voilà, super. Voilà pour le bilan et la clôture du mois de janvier. Je suis bien contente de ce mois, mais je suis contente qu'il soit fini, parce que c'était un peu long, je trouve. Et bon, on a mal terminé avec ce Covid. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que le mois février, il sera meilleur. Ça sera un petit mois. Et il va avoir les vacances pour pouvoir se reposer un petit peu.
Voilà. Moi, ce que je vais faire là-bas, on a fait le remplissage, il va pas se faire avant blablabla. Mardi, voire non, lundi, non, je crois lundi ou mardi, ça dépend quand j'ai l'argent. Ça sera ou lundi ou mardi, je vais voir. On fera le remplissage pour le mois de février. Et ben, vous dites-moi en commentaire comment s'est passée votre semaine, si vous avez pu, enfin pas cette semaine, le mois même, si vous avez fini votre mois ou la semaine si vous êtes encore dans le mois de janvier, parce qu'il y en a qui font 5 semaines, il y en a qui n'ont pas fini encore leur mois de janvier. Dites-moi comment s'est passé votre mois, si vous avez pu économiser de l'argent, combien, voilà. Et moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine, on va dire, allez, on va dire mardi, on verra si c'est lundi ou mardi, pour le remplissage pour le mois de février. Voilà, bye bye!